Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur France 2 pour une soirée exceptionnelle. Bonsoir Virginie. Bonsoir Fred. Bonsoir à tous. Voilà, j'avais hâte. Hein. Ça fait bien trop longtemps. Bah effectivement, je vous confirme, notre dernier rendez-vous, c'était il y a maintenant un an et demi. Et ce soir-là, vous étiez plus de 6 millions à nous accompagner au Pérou à la rencontre des Quechua. Alors merci, merci du fond du cœur pour votre fidélité. Et merci d'être avec nous ce soir pour un rendez-vous en terre inconnue inédit. Cette fois, nous partons dans une toute autre direction puisque je vous emmène en Chine. Nous allons à la rencontre du peuple Miao, une communauté extrêmement attachante qui vit dans le sud du pays. Et je vous promets qu'à la fin de cette soirée, eh bien, vous vous souviendrez longtemps de ces êtres humains, de leur mode de vie et de leurs valeurs qui nous renvoient évidemment aux nôtres. Juste après le film, eh bien, nous serons ensemble, en direct, pour répondre à vos questions. Et oui, parce que ce soir, je serai votre porte-parole. Je poserai toutes vos questions, enfin du moins j'essaierai. Vous envoyez vos SMS au 41 555 ou via Facebook ou via le site france2.fr. On se retrouve en direct, tous les trois, avec notre invité. Et je poserai donc ces fameuses questions. Et surtout, eh bien, c'est le moment, Frédéric, ainsi que tous ceux qui nous regardent, c'est le moment d'appeler, d'envoyer des SMS à vos copains, à votre famille, tous les gens que vous aimez, pour leur dire c'est ce soir, parce qu'on le sait, rendez-vous en terre inconnue, c'est bien trop peu souvent, donc il s'agit de ne pas le rater ce soir. Ben merci, pardon, vous prévenez vos amis, je vais vous présenter notre invité ce soir. Celui qui a accepté de nous suivre au bout du monde, les yeux fermés, est un réalisateur et un comédien très apprécié du public à travers ses rôles et ses interviews. Nous sommes très nombreux à avoir la sensation que ce type-là est quelqu'un de bien. Eh bien ce soir, celui que vous allez voir à l'écran ne joue pas un rôle au cinéma, il s'agit d'un documentaire, c'est donc lui que vous verrez. Et si vous vous demandez si c'est vraiment une belle personne, eh bien vous aurez la réponse tout à l'heure. Je vous demande de l'accueillir très très chaleureusement. Mesdames et messieurs, Clovis Cornillac. Bonsoir Clovis. On va être sincère avec le public, ça fait super bizarre d'être là en vérité. Parce que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on a vécu au bout du monde, où on était dans l'intimité la plus absolue. Dans cette tente merveilleuse. Non mais parce que je vous revois en train de monter la tente. Ah mais les gens ne savent pas encore de quoi on parle, vous allez voir. Mais ça vous fait quoi de savoir qu'on va partager cette aventure? Qu'est-ce que ça me fait? Je ne sais pas vraiment, parce qu'en fait, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je n'ai pas l'expérience. Vous, vous l'avez. Moi, je ne sais pas. Je suis tellement heureux de l'avoir fait, d'avoir vécu ce qu'on a vécu, que s'il en sort quelque chose pour les gens qui regardent, je suis ravi, parce que le cadeau était tellement magnifique. Je me dis, voilà, de pouvoir en donner un peu, c'est chouette. C'est le trac de partager ces instants. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi de partir avec Clovis? Alors, c'est vrai que je plaisantais parce que j'étais en train de parler aux téléspectateurs, mais je voyais à côté de la caméra. C'est vrai que je l'avais rencontré dans la parenthèse inattendue. J'avais des années que j'avais rêvé de partir avec lui, hein, parce que je pressentais que c'était quelqu'un de bien. Et donc, pendant la parenthèse inattendue, toute l'équipe s'est dit « mais ce mec est formidable ». Et on s'est dit « il faudrait vérifier sur 15 jours ». Donc ça, c'était une motivation. Heureusement qu'il ne me l'a pas dit avant. Oui, c'est ça. Je suis d'accord, c'est inquiétant. Donc on voulait savoir si c'était quelqu'un de bien. Et puis effectivement, je rêvais de vivre l'aventure à travers lui parce que je pressentais que c'était quelqu'un de juste. Mais encore une fois, je parlerai de lui surtout après le film. Et pourquoi avoir dit oui, du coup, à Fred? Parce que alors, c'est une véritable aventure, vous le dites. Et puis, vous aviez un peu peur, justement, de ce côté cinématographié, trop filmé. En fait, je l'avais invité à un week-end... dans la parenthèse enchantée, et je m'étais dit, ce gars-là m'a l'air plutôt sympathique. Non, très sincèrement, quand on vous propose, je mets au défi les gens qui sont là et ceux qui regardent peut-être le programme, il doit y avoir une immense majorité de gens qui se disent que, bon, déjà le gars est sympathique, mais au-delà de ça, la proposition de vous dire, je te propose de partir, je ne te dis pas où, mais rencontrer des gens que probablement à 99% de chance dans ta vie tu ne rencontreras jamais, de dire non me paraît... je pense que si on faisait une main levée, ce serait dingo, tout le monde a envie de ça. Il s'avère qu'on nous le propose, on me le propose, évidemment, c'est... Alors justement, cette expérience, on va en parler, mais sans dévoiler les films, en deux mots, comment vous avez vécu cette aventure? Qu'est-ce que vont voir les gens qui nous regardent ce soir? Non, ça serait incapable. En deux mots, alors, phrase, mais... c'est un type de langage. C'est dingo, quoi. Super. Ah ben non, c'est un mot, mais... Non, c'est... on a rencontré des gens
absolument extraordinaires, qui sont d'une beauté voilà, à couper le souffle, qui vivent dans un endroit qui est certes rude, et c'est une vie qui est compliquée, hein, on verra, c'est pas, voilà, on n'est pas, c'est pas Alice au pays des merveilles, mais c'est d'une beauté affolante. Et ce qu'on a partagé, voilà, c'est des moments d'humanité, de rencontre. Bah, c'est toujours bizarre d'en parler parce que comme on fait partie du programme, donc c'est toujours alors un moi, peu gênant. Alors moi, je peux dire un petit mot, c'est-à-dire que je l'ai vu ce film et je me suis posé la question de savoir si encore une fois j'allais être touchée, bouleversée par ce moment. Et la magie a encore opéré, c'est-à-dire que je me suis encore fait avoir. C'est absolument incroyable, comme d'ailleurs la plupart de nos confrères journalistes, ils ont tous dit, j'ai été très touchée, donc maintenant je pense que c'est à eux de nous dire si réellement ils ont été touchés, à vous de voir si cela vous touche, spectateur. Je propose qu'on y aille. On y va, c'est parti, je vous laisse vous installer confortablement et je vous propose de nous envoler pour le sud de la Chine. C'est là-bas, dans la province du Guizhou, au cœur des montagnes de la Lune, que vivent les familles qui nous ont accueillis dans leur univers. Des femmes et des hommes courageux, drôles et solidaires. Rendez-vous en terre inconnue avec Clovis Cornillac chez les Miao, un film inédit réalisé par Christian Gaume. On se retrouve juste après pour le direct. A tout de suite. C'est ici, au sud de la Chine, que vit le peuple Miao, au cœur des montagnes de la Lune. Les Miao sont un peuple aux origines mystérieuses, pétris de mythes et de légendes. Agriculteurs montagnards, ils ont su apprivoiser un territoire difficile. Yep. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Les Miao vivent à la frontière de deux mondes que tout oppose. Dans un pays ultra-moderne, leur mode de vie semble parfois anachronique. En plein 21e siècle, quels choix les Miao sont-ils amenés à faire? C'est ce que nous allons tenter de comprendre en partageant leur vie pendant deux semaines. Mais à cet instant précis, Clovis Cornillac ignore tout de sa destination. Et c'est juste qu'il a rendez-vous en terre inconnue. À la seconde où je vous parle, le comédien Clovis Cornillac est dans un taxi en direction de l'aéroport, mais il ne sait pas du tout où il va. Vraiment aucune idée. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, en fait, de savoir. Enfin, de savoir avant tout le jeu, et je trouve ce qui est super rigolo dans cette aventure, c'est de ne pas savoir, donc pas chercher à savoir. Là, pour le coup, c'est très bien fait, parce que rien ne m'a indiqué quoi que ce soit. Et certainement pas cet essayage de costume ridicule. Waouh! Bah en fait, tu vois, j'ai minci. Je crois que je vais emballer sévère. La dernière génération des combis, en fait, c'est que tu peux pas mettre le dernier bras, manifestement. C'est-à-dire que tu restes comme ça. À demain. C'est vrai que je porte cet ensemble très bien. À part ça, à part cette espèce de grâce qui me définit, ça, c'est une fumisterie. Je crois pas du tout. Et là, je sens plus voilà, la montagne. Non, mais parce que je suis très perspicace aussi. Il y a plein de gens qui auraient pensé à la plage et tout ça. Mais moi, comme j'ai fait des études, que je suis un mec un peu intelligent, tout de suite, je me suis dit peut-être la montagne. On y va ? On décolle ? Dans quel état il est en ce moment ? En ce moment, je ne sais pas du tout dans quel état il est et j'aimerais bien être dans sa tête. Je ne dirais pas que c'est de l'inquiétude parce que voilà, il n'y a pas d'anxiété, mais il y a une appréhension, il y a un questionnement. Comment il a fait pour les bagages ? En fait, on a essayé de l'embrouiller un petit peu. Hein. On lui a fait essayer du chaud et du froid et après, on a fait les sacs. Je peux avoir vos passeports, s'il vous plaît. Merci. On est souvent dans des sociétés organisées. Moi, je connais mon emploi du temps toujours. Je sais toujours ce que je vais faire, où je vais, à quelle heure, tout ça. Donc, d'avoir l'occasion de ne pas savoir ce qu'on fait après, où on va, qui on rencontre, je trouve ça super chouette. Je lâche pas ma famille pour rentrer dans du normal, quoi. Enfin, je trouve ça plus... Donc, je trouve ça plutôt excitant. Pourriez-vous poser vos bagages, s'il vous plaît? Voilà, le bagage de Clovis. Merci beaucoup. Merci. Hello. Bonjour Clovis. Ça va ? Comment ça va ? Ouais, nickel. Racontez-moi votre état d'esprit à l'instant T.
La sensation, est-ce que c'est un mélange de sensations? Très agréable, je suis bien. Enfin, je suis très heureux de partir, très heureux de partir je sais pas où, ça me plaît beaucoup. Donc c'est plutôt une sensation agréable qui, je pense, ne se reproduira pas. Donc j'essaye de kiffer ça. Quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'à la seconde où je vous parle, il y a une communauté qui vous attend quelque part dans le monde. Ils attendent quelqu'un, parce que je pense que moi, ils en ont un peu rien à foutre, mais ils attendent quelqu'un. Vous savez que je vous annonce la destination quand on est en plein vol, quand c'est irréversible. Ouais. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. D'accord. On y va ? Ah bah, allons-y. Donc vous faites partie de ceux qui aiment les surprises, il y a des gens qui détestent les surprises. J'aime bien quand c'est fait par des gens bienveillants. C'est toujours pareil. Là, en l'occurrence, je connais la promesse. C'est-à-dire que la promesse, c'est de rencontrer et d'aller quelque part. Et donc, je me dis, ah oui, j'aime cette surprise, ça me plaît. Qu'est-ce que vous attendez de ce voyage ? Une aventure humaine. Voilà, c'est de me dire, j'ai la chance de rencontrer des gens qu'a priori, je rencontrerai jamais. J'espère qu'ils garderont quelque chose comme moi, je garderai quelque chose. Quand ça se passe que d'un côté, en général, c'est pas très bon. C'est comme en amour, hein. C'est bien de partager ça. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais en quoi, vous, Clovis Cornillac, ça vous intéresse de savoir comment vivent des gens à l'autre bout de la planète ? Parce que j'ai un amour des humains. Je ne suis pas du tout dans cette notion comme ça, très négative, de dire, ouais, de toute façon, l'homme est un loup pour l'homme. Tout ça. Je pense vraiment l'inverse de l'humanité. Je pense que c'est une espèce passionnante, d'une énergie insoupçonnée. Et pour beaucoup d'êtres humains, l'autre fait peur. Pas pour moi. Non, j'ai un a priori toujours positif sur l'autre, mais de nature, hein, j'y suis pour rien. Donc vous savez que vos attentes sont très chouettes, mais maintenant, c'est moi qui ai peur de vous décevoir. J'ai peur de vous décevoir. Ah non, les attentes sont... c'est impossible. C'est des belles attentes. Ouais, ceci dit, ouais, faites gaffe quand même. C'est vrai que si vous me décevez, ça va pas être fun pour vous. J'aimerais pas être à votre place. Oh là 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 là. Clovis, je vous propose un bandeau pour les panneaux d'affichage. Et un casque. Ça c'est parti. Ouais. Donc déjà, oui. Premier truc, l'humiliation physique. Vous pouvez vous accrocher, on y va. Tout va bien ? Ah ouais, nickel. Je suis le bras auquel je suis accroché. J'ai de la bonne musique. Il fait noir, c'est très étrange. Et c'est pas désagréable. Merci. En fait, c'est un avion où on s'assoit jamais, quoi. I wish this moment could last forever. Didn't hear you. No. Just forget the world from yours. I'm yours. It's all that matters. Hold my time just before the I'm yours. Well, Bill Guest. Deux secondes et je reviens. Waouh la vache! Clovis? C'est moi. Vous voulez savoir? Avec plaisir. Alors Clovis, je vous emmène à la rencontre d'un peuple millénaire. Un peuple qui a été souvent repoussé sur son propre territoire et qui a fini par trouver refuge dans une région qu'ils appellent la région des montagnes de la Lune. Alors déjà, il y a plein de choses qui me plaisent beaucoup dans ce que vous dites là. Les montagnes de la Lune, pour moi, ça peut pas être l'Afrique. C'est asiatique. Je vous emmène dans le pays qui, du point de vue occidental, est sans doute le pays le plus complexe et le plus mystérieux de la planète. Merde. Clovis ? Ouais. Je vous emmène en Chine. Yes ! Ah, c'est cool, c'est génial. C'est génial. Je suis ravi. Alors vraiment, je rêve d'aller en Chine depuis toujours. Je suis très, très attiré par l'Asie, que ce soit la philosophie, que ce soit les inventions, la culture. Enfin, tout me fascine. Je suis alors là, et j'ai du cul. J'ai du cul. La Chine, c'est le pays de tous les superlatifs et de tous les extrêmes. Le pays le plus peuplé de la planète, 1,3 milliard d'habitants. Première puissance économique mondiale. Évidemment, on n'a pas la prétention de faire découvrir toute la Chine en deux semaines. On vous emmène dans la région du Guizhou. Est-ce que vous situez ? Pas du tout.
Donc, je suis sur la carte, non? Oui, ouais, ça y est, je vois. Non, je vois pas du tout. Donc, c'est dans le sud de la Chine. Et on vous amène à la rencontre d'une minorité qui s'appelle le peuple Miao. Nous allons rencontrer le peuple Miao. Rien à voir avec les chats. Alors, Miao. On va aller la faire tout de suite, comme ça, c'est réglé. Donc, le peuple Miao, c'est une toute petite minorité, c'est moins de 1% de la population. Mais évidemment, à l'échelle de la Chine, ça donne 9 millions d'habitants. Voilà. Nous allons dans un milieu rural. Les gens que nous allons voir sont éleveurs et agriculteurs. Et nous arrivons à un moment très important de leur vie. Ils vivent entre deux mondes. Ils ont des traditions ancestrales et à la fois connaissent la modernité. Est-ce que leur avenir est entre leurs mains? C'est ce que nous allons essayer de savoir. D'accord. On va vivre dans un village? Est-ce que c'est un village isolé ou est-ce qu'il y en a plusieurs? C'est une communauté... Parce que 9 millions, c'est peu à leur échelle, c'est beaucoup à la nôtre. Vous voulez pas me répondre? Ouais, c'est chouette. Non, mais c'est bien parce que je me pose plein de questions. On va découvrir. Ouais, c'est génial, non? Franchement. Merci de la confiance. Ah bah, je suis ravi, mais tu vois pourquoi la confiance, ça vaut le coup? Parce que t'arrives des trucs super. C'est un beau cadeau, c'est très très chouette. Hold me in your hands. Follow me at distance. Love is all around. You lie. Shanghai, capitale économique de la Chine et ville la plus peuplée au monde. Plus de 24 millions d'habitants font battre le cœur de cette cité, 60 fois plus grande que Paris. Ici, tout ne semble être que gigantisme et démesure. Elle mesure combien cette tour pour vous? C'est 10 minutes. Alors c'est 632 mètres. Voilà. Et c'est la deuxième tour la plus haute du monde. La première est à Dubaï, c'est le même architecte. Ce qui est dingue, c'est qu'on sent que tout a explosé en un temps record. C'est impressionnant, je trouve, le nombre d'immeubles. Je ne m'attendais pas à ça. C'est dingo, hein, quand même. C'est pas humain, mais c'est pas vilain. Shanghai est une mégalopole futuriste et tentaculaire à la croissance insatiable, en perpétuelle effervescence. Autrefois village de pêcheurs, c'est aujourd'hui le premier port du monde. Symbole de puissance, les gratte-ciels fleurissent à un rythme effréné. Il y a seulement 25 ans, à la place du quartier des affaires, il n'y avait que des rizières. Et aujourd'hui, le sol de la ville s'enfonce littéralement sous le poids de ses tours. La plupart des vieux quartiers de Shanghai ont été ensevelis sous des milliards de dollars de béton et de verre. La libéralisation économique des 30 dernières années a projeté la Chine au rang de superpuissance. Mais malgré ses forts accents capitalistes, le pays reste sous l'emprise d'un parti unique et puissant, le Parti communiste. Qu'ils soient riches investisseurs, ouvriers migrants ou étudiants, ils affluent à Shanghai de tout le pays et voient dans cette ville un Eldorado où concrétiser leurs rêves, leurs espoirs. Shanghai est une ville sophistiquée et avant-gardiste, la vitrine d'une Chine qui se veut résolument tournée vers l'avenir. Mais Shanghai n'est pas la Chine, elle n'en est qu'un de ses multiples visages. Pas gâcher votre joie. On en a pour entre 8 et 10 heures de route. D'accord. Bah, ça veut dire que c'est loin. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça, c'est plutôt que c'est long pour y accéder. Mais moi, je suis épaté de vos réactions. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui s'adapte très très vite, non? Parce que là, je vous dis, 10 heures de route, ok. Ma mère me disait toujours, elle m'appelait le caméléon. Elle me disait, on te met quelque part, on te laisse quelque part. Donc je pense que ça doit être dans ma nature. Encore 10 heures de voiture donc pour rejoindre le cœur du pays Miao, dans la province du Guizhou. Dans ces collines, les Miao côtoient 17 autres ethnies sur les 56 que compte la Chine. Au fil des siècles, les Miao ont combattu les tentatives d'assimilation des différents empereurs. Et aujourd'hui, rares sont ceux qui parlent chinois.
Le Guizhou est devenu leur refuge, sans doute car c'est l'unique région du pays entièrement montagneuse. Un relief difficile qui lui a valu de rester longtemps enclavé. Province rurale et la plus pauvre de Chine, le Guizhou s'ouvre au monde extérieur depuis quelques années seulement. Bye bye. Bye bye. Ça vous fait marrer, mais j'espère qu'il ne s'est pas gouré. En fait, on a rendez-vous. D'accord. Et c'était quoi? C'était le plus grand sapin dans la route? C'est quoi le rendez-vous? Comment on est sûr? Mais, je sais pas, moi je suis pas sûr. Le monsieur avait l'air sûr. Ouais. J'ai pas tout compris ce qu'il a dit, hein, quand même. Donc... Silence. C'est la classe. Et vous regardez, vous réalisez que vous êtes en Chine? Là, je commence à réaliser, ouais. Ça fait un petit moment. Et là, je commence à réaliser vraiment que... Voilà, on dirait qu'un... Un tableau. C'est magnifique. Vous aviez vu déjà en vrai des rizières en terrasse? Non, jamais. Jamais. Et je trouve ça... C'est extrêmement élégant, quoi. Très graphique. Au milieu de la montagne, comme ça, ça fait ouais, comme des îles. Et puis, les formes géométriques, comme ça, tellement... C'est arrondi, c'est très, ouais, très c'est, doux. C'est super beau, super beau. Alors, je vous ai pas dit avec qui on avait rendez-vous. Non, et je commence un petit peu à trépigner, quand même. Je suis tellement impatient de rencontrer les gens qu'on va rencontrer. Et puis, en même temps, tellement pas envie de les décevoir ou d'agir mal ou de faire des trucs qui sont... Une petite appréhension. Alors, on a rendez-vous avec deux femmes et un homme. Il y a un couple. Zhu Laopu, c'est la femme. En plus, je suis dyslexique, putain. Ça tombe mal. Ah, ouais. Vous allez voir, les trois. Zhu Laopu. Zhu Laonyu, c'est son mari. Zhu Laopu, Zhu Laonyu. Et il y a une autre dame qui s'appelle Wu Laolang. C'est pas cool parce que j'ai un vrai problème avec ça, donc c'est un cauchemar. Zhu Laopu, ouais. Zhu Laonyu, le nouveau. Et où la Hollande? C'est pas où est, c'est pas où est la Hollande? Oui, mais ça va m'aider. C'est pour ça que où la Hollande? Ils vont nous dire comment le prononcer. Ouais. Super. Ils vous ont pas dit s'ils arrivaient vers en haut ou vers en bas? Non, on sait pas du tout. Il y va? Bonjour. 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 Soyez les bienvenus. Ça va? Vous avez fait bonne route? Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va, c'est gentil. Merci. Vous vous appelez comment? C'est Fred. Fred. Et toi? Moi, Clovis. On est vraiment content de vous rencontrer. Ah, on parle Long Laonyu. Long Laonyu. Oh, tu vois. Mon Lahao. Mon Lahao. Mon Lahao. Et là. Zhu Laonyu. Mon Lahao. Ah, Zhu Laopu. Zhu Laopu. Zhu Laopu, Zhu Laonyu. Long Laonyu. Long Laonyu. Long Laonyu. Zhu Laopu, Long Laonyu. C'est ça. Maintenant qu'on a fait connaissance, je vais vous montrer là où on vit. Là où on cultive notre riz. Vous allez découvrir ce que c'est que la vie à la campagne. Vous avez fait un long voyage et j'imagine que vous êtes fatigué. On va vous emmener au village et on prendra un bon repas à la maison. Super. Super.
Merci. 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 Il est temps d'y aller maintenant. Il nous faut 2 heures de marche pour arriver jusqu'au village. Allez, on y va. Suivez-nous. Voilà, c'est là. On commence à descendre par ici. Oui, le chemin est glissant et dangereux. Il vous faudra peut-être un bâton. Ah, bon, pour l'instant, on essaye comme ça. C'est glissant, faites très attention. C'est pas facile, mais on va descendre tranquillement. C'est hallucinant parce que je pensais pas qu'il serait aussi loquace. Aussi bavard. Ah oui. Je trouve ça incroyable. C'est nous, on est comme. J'ai l'impression qu'on était plus intimidés, plus gênés qu'eux. Ah ben c'est pas une impression. Je crois que c'est flagrant. Et les sourires, on se sent accueillis. Ouais, super lumineux quoi. Vous avez vu la lumière là? Ben, c'est sublime. Regarde ça. Waouh, ils sont fous. Oh. Oh là là. Oh la dinguerie, la dinguerie, la dinguerie. Oh, 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 oh. Oh la vache. C'est fabuleux, c'est d'une beauté. C'est chez nous. C'est notre village. Et ce sont nos rizières. Il n'y a rien à dire. C'est très, très beau. Faut qu'on reste un instant ici parce que c'est unique. C'est magnifique. Ça me fait plaisir d'entendre que vous aimez notre village. Nous aussi, on trouve que c'est très beau. Alors on va vous laisser profiter de ce moment. Les amis, la nuit va tomber. On ne peut pas rester longtemps ici, on doit y aller. Il nous reste encore beaucoup de chemin pour arriver jusqu'au village. Il faut contourner toutes les rizières. C'est parti. Venez vous asseoir. Merci. C'est votre maison? Oui, vous êtes chez nous. Chez mon mari et moi. Il y a aussi ma mère qui vit avec nous en ce moment. Elle nous aide dans les champs. D'accord. Et vous, vous avez une autre maison dans le village? Non, je viens d'un autre village. Moi, j'habite ici. D'accord. Et est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas du même village, que vous n'avez pas les mêmes couleurs? Ou ça n'a rien à voir? Non, pas du tout. C'est juste une question de goût. Vous savez, c'est la première fois qu'on reçoit des gens qui viennent de si loin. Alors on est vraiment très heureux. Vous avez fait un long voyage. Vous devez avoir faim. Je vais vous préparer à manger. Bah, merci beaucoup. Merci. Voilà. On va mettre la table. Tenez, goûtez ça en attendant. C'est bon. C'est quoi? C'est du chou séché. Hyper salé. Hyper pimenté.
On dirait du cuir. Comme si tu mastiquais du cuir. Je prépare une soupe. J'espère que vous aimez ça. Ça vous plaît quand c'est pimenté? Un peu. Un peu. Je vais regarder juste par là. Donc ça, c'est du piment? Ah oui, c'est du piment, je pense. Pur. Vous trouvez ça trop pimenté, hein? Et il est fort, hein? Moi, la ciboulette, j'adore. Un peu riz. Et le piment aussi, est très bon. Nous, on n'a pas beaucoup de choix pour la nourriture. On mange ce qu'on trouve ici. Le principal, c'est quand même d'être accueilli comme ça et de manger super bien. Donc, c'est pas une question d'avoir beaucoup ou pas beaucoup à proposer. Nous, chez nous, il y a de tout et on mange pas toujours très bien. Franchement, on est très très bien reçus et on se régale. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça, c'est une plaque électrique. Ça fait longtemps que vous avez l'électricité dans le village? Ça doit faire à peu près 12 ans. Avec l'électricité, on n'a plus besoin de faire du feu dans cette pièce pour cuisiner. Et puis maintenant, on voit ce qu'on mange. C'est quand même plus pratique. Je vais chercher le midio. C'est de l'alcool de riz. On le boit avec les invités. C'est la tradition. Ça va vous faire du bien après ce long voyage. Et ça va surtout vous aider à bien dormir ce soir. Merci. Chin chin. Comment on dit? Aya? Chin chin. Alors? Très bon. Très bon. Allez, cul sec. Ah ouais? J'ai pas l'habitude. Est-ce que tu te vexes si je finis pas? Non, je ne me vexe pas. Mais finis tranquillement. Prends ton temps. Prends ton temps, il a dit. Oui. Allez, c'est pas tous les jours. Ouais. Tiens, allez, je finis avec toi. Vas-y. Encore un peu? Non. On est content de vous avoir parmi nous, mais vous devez être fatigué. Vous avez fait un long voyage. Vous devriez aller dormir. Merci beaucoup. Mais je sais pas où on dort. Vous allez dormir à l'étage. Je vais vous montrer. Au-dessus? Super. Vous avez eu une longue journée. Vous pouvez vous installer ici. Je vais vous laisser tranquille. Moi aussi, je vais me coucher maintenant. Merci. Merci. Bonne nuit. Tchè, tchè. C'est ça que j'ai jamais fait non plus. Oh, le bordel. Oh, putain, je sais pas comment... J'ai même pas quelle gueule, ça, quand c'est fini. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à... J'ai mis que ça fait un dôme. Bon, ben, moi, c'est bon. Bonne nuit. C'est transformé en un bac. On va mettre les deux, on va voir ce que ça donne. Chiotte. Je vais le péter, le truc. Je sens que je vais le péter, ça. Vous m'en voulez pas, j'espère que je vous ai demandé d'apprendre des prénoms qui n'étaient pas les bons. Puisqu'en fait... J'ai bien compris, très rapidement. Et c'était cool quand ils nous ont dit leur nom, parce que c'était pas ceux-là, en fait. Donc il y avait deux qui étaient... J'étais épaté de voir effectivement comment on était plus intimidé qu'eux. Quand on est accueilli dans un lieu aussi intime et aussi loin, la peur de déranger fait qu'on... Je me sens gauche, maladroit, parce que... En fait, j'ai envie d'être là, et d'être le plus invisible possible, et en même temps de me dire, il ne faut pas être invisible, parce que c'est un manque de respect. Enfin, c'est une sorte de, c'est un petit peu compliqué. Mmh. Ce qu'on n'a pas dans notre pays. T'es un peu emprunté, t'es un peu... Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Je vais faire un petit tour.
ça. C'est pour faire ça. Exactement. Je fais une coiffe. La broderie aussi, vous la faites? Ça, vous le faites aussi? Oui. Oui, je fais tout moi-même. Je vais aller réveiller Frédéric. Je viens avec vous. On est venu te réveiller. Ah ben voilà. C'est... Allez, debout. Bonjour. Debout. Oui, je vais me lever, je vais m'habiller. Allez, courage. Il va s'habiller. Je vais m'habiller. Ce gars-là. Petit village en bois au milieu de la montagne des rizières, il y a un petit truc onirique. C'est super, super beau. Ouais. Hey. Ça va? Ça va? Ça va. Je travaillais dans mes rizières. Hey, tu t'es levé tôt? Oui. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, je préfère travailler tôt le matin. Et j'ai mon oiseau avec moi. J'aime bien l'écouter chanter. C'est une super idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas dans les champs, tu amènes ton oiseau. Oui. Je l'emmène tout le temps avec moi, sauf quand il fait trop chaud. Sa radio. C'est incroyable. On peut le voir? Bien sûr. Comment il s'appelle? Il a un nom? Je l'appelle Huamei. C'est le nom de son espèce. Ça veut dire sourcil peint. Huamei. Il faut que j'aille le nourrir maintenant. Vous venez? Allez, venez. Hao, tu sais, ce matin, j'ai réveillé Frédéric, sinon il dormirait encore. C'est pas vrai. Vous vous levez très tard. Beaucoup plus tard que nous. Et je me suis levé à 9h. Vous vous êtes levé à quelle heure? Nous, on était debout à 6h30. Tu sais, on dort pas très bien depuis quelques nuits. Oui, parce que nous, on n'a jamais vu d'étrangers. Alors, on était impatients de vous rencontrer. Et puis, quand vous êtes arrivés, on a été surprises. On pensait pas que vous seriez aussi grand et aussi fort. On a été un peu impressionnés. Mais vous êtes de bonne humeur comme ça tous les matins? Bien sûr. Mais c'est chouette. Ça fait plaisir. Ouais. On est tous ensemble et on est avec vous. Ça nous fait plaisir que vous soyez arrivés. Alors, on est joyeuses. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait très plaisir aussi, hein, franchement. Occupe le peu de terre disponible et les pâturages manquent. Les animaux ne peuvent pas être laissés en liberté, ils détruiraient les récoltes. Alors chaque matin, c'est le même rituel. Il faut aller couper de l'herbe pour nourrir les quelques vaches de la famille. Vous savez, c'est la première fois que des étrangers viennent travailler dans mes champs. Ça me fait bizarre. Oui. Ça
Mais pourquoi tu te marres? Et tu me fais peur avec ta faucille. Je suis obligée de rester loin de toi, sinon tu vas me couper. Regarde comment je fais. Fais pareil. Tu vois? Oui, pas trop, pas des grands gestes, juste des petits comme ça, tac, tac, tac. Hein? C'est ça? Ça va quand même plus vite quand on est nombreux. Je pensais, c'est ton ami. Là, il est en train de couper de l'herbe, c'est pour tes vaches, non? Oui, c'est pour mes animaux. Ici, quand tu as trop de choses à faire, les autres viennent t'aider. Pourquoi? C'est pas comme ça chez vous? Ça s'est un peu perdu, je crois. On s'aide de moins en moins, surtout en ville. Parce que dans les villes, tout le monde est un peu dans son petit appartement et s'occupe un peu de ses problèmes. Mais on ne s'aide pas beaucoup les uns les autres. En Chine, dans les villes, c'est pareil. Mais ici, c'est différent. Quand les amis viennent m'aider, je les invite à la maison et on partage un bon repas. Et toi, si les gens t'aident, tu les invites à manger aussi? Oui, en général, tu l'invites à manger. Ou alors, si tu le fais pas, c'est que t'es vraiment un salopard. Et voilà. Ah bah oui. On croit que c'est léger parce que c'est de l'herbe, mais pas du tout. Je ne vous ai pas encore présenté ma sœur. C'est ma petite sœur et mon beau-frère. Je les ai invités à déjeuner avec nous. Alors, comment vous vous appelez? Zulaopu. Zulaopu, Zulaopu. Vous vous appelez pareil? Pou, Pou. Pou, Pou. Vous êtes deux sœurs et vous portez exactement le même nom? Non, c'est pas le même nom. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Alors, est-ce qu'on peut entendre la différence? Zulaopu. Zulaopu. Vous voyez que c'est pas le même nom. Il y a une grande différence entre les deux. Oui, on entend Laopu, Laopu, il y a une différence. Peu, 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 peu. Zulaopu, Zulaopu. Ah mais c'est pas du tout pareil. Hier soir, vous nous disiez que l'électricité était arrivée il y a 12 ans ici. Est-ce que tu te rappelles du jour? Exactement du jour où l'électricité arrive. Le jour où on allume pour la première fois la lumière. Ah oui, je m'en souviens très bien. On était tellement heureux que le soir même, on s'est tous retrouvés à la maison pour faire la fête. Tout le village? Tout le monde était ensemble? Oui, tout le village. Moi, je me rappelle quand on a allumé la première télévision. Tous les gens du village sont venus. Et il y avait tellement de monde dans la pièce que la maison a failli s'effondrer. C'est vrai, on aime tous regarder la télévision. Mais on ne parle pas le chinois parce qu'on n'a jamais été à l'école. Alors, on ne comprend pas ce que disent les gens. On regarde juste les images. Et c'était quoi comme image? Les premières images qu'on a vues, c'était des voitures et des belles maisons. Il y avait aussi des endroits tout plats. Pas comme chez nous. Bon, après manger, on va travailler dans les rizières. Il faut bien manger pour prendre des forces. Va te servir. Ok. Pour la première fois, nos hôtes nous emmènent dans ces rizières qui nous font tant rêver depuis notre arrivée.
Il reste une dernière étape avant la moisson du riz. Une étape un peu mystérieuse que New tient à garder secrète jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu verras, c'est une surprise. D'accord. Viens, tu peux venir. Super. Viens voir. Oh, il y a des poissons. Incroyable. Incroyable. Regarde. Maître. Mais c'est quoi comme poisson? Néant. Néant. Ah. Néant. Néant. Ah. Comment ils arrivent là, les poissons? C'est vous qui les mettez, qui mettez des têtards ou... Oui, c'est une tradition très ancienne. Pour nous, le poisson est un symbole de prospérité. On en met toujours dans nos rizières et on espère que la récolte sera bonne. Et puis, grâce au poisson, la terre est plus fertile. Passe-moi le seau. On va le mettre dedans. Tu vas m'aider à les attraper? D'accord. Allez, viens. N'aie pas peur. Viens là. Y a pas de serpent? Non, il n'y en a pas trop dans la journée. Normalement, ils ne sortent que le soir. Ils ne vont pas tarder d'ailleurs. Voilà, prends-les en douceur. Tu les sens dans tes mains? Comme ça? Eh ben, tu t'en sors très bien, Clovis. C'est une symbiose étonnante qui s'opère ici. Le riz abrite et nourrit les poissons. En échange, ces derniers mangent les insectes, les mauvaises herbes et fertilisent le sol. Un système ingénieux utilisé par les agriculteurs chinois depuis 2000 ans. Tu sais, je suis très content parce que la pêche est bonne. Je vais les cuisiner ce soir et on les mangera ensemble. On va les partager ce soir, c'est super. Voilà. Voilà le dîner de ce soir. J'aurais jamais imaginé qu'il y avait des poissons là-dedans. Mais jamais, jamais, jamais. Et que ça serve de fertilisant. Oui, donc ça sert à tous les niveaux. C'est un fertilisant, qu'en plus, il les mange. Enfin, je trouve ça épatant. Il a rebouché son trou, il a fait son truc. Je trouve ça fabuleux. J'imagine qu'il y a 3000 ans, c'était exactement le même point de vue. C'est-à-dire que rien n'a dû changer. On voit la même chose que ceux qui étaient là il y a 3000 ans. C'est fou, quoi. Chaque vendredi soir, c'est l'heure des retrouvailles. Les enfants rentrent de l'école. Ils ont passé la semaine à l'internat, à 3 heures du village. En janvier 2016, la Chine a mis fin à la politique de l'enfant unique. Désormais, chaque famille est autorisée à avoir 2 enfants. Cela a toujours été le cas pour certaines minorités comme les Miao. Au-delà, elles s'exposent à de graves sanctions. Un drame pour beaucoup de couples, nos hôtes refuseront d'en parler. Bon appétit. Ah. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ouais. Bon appétit. Manger. Manger. Ok, merci. Bon appétit. Clovis, est-ce que tu as des enfants? Oui, 3. J'ai 2 filles qui sont à l'école et j'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi, donc il n'est pas encore à l'école. Tu sais, mes 2 enfants aussi vont à l'école. Ma fille vient d'arriver, mais elle vit à l'école toute la semaine. Et mon fils, lui, est dans un internat loin d'ici. Il ne rentre qu'une fois par an pour les vacances du Nouvel An. Ça doit être dur pour vous quand même de ne pas voir votre fils. Oui, c'est dur. Nos enfants nous manquent, mais il faut qu'ils aillent à l'école. C'est important pour leur avenir.
pour qu'ils aient une vie meilleure. Il faut finir de manger maintenant, parce que demain matin, on se lève à 6h30. D'accord, 6h30. Et c'est moi qui vous réveille. Recule ta main. Pas me couper la main. Il faut bien couper tout ça. C'est pour notre cochon. Il faut qu'il grossisse. On compte sur lui pour avoir un bon repas à la fête du Nouvel An. Et toi, tu as un cochon chez toi? Non, j'ai pas de cochon à moi. Je vis en ville. Et en ville, on n'élève pas les animaux. Mais attends, si vous avez pas de cochon, comment vous faites pour le Nouvel An? Qu'est-ce que vous mangez pour les fêtes de fin d'année? Ben en fait, nous, on achète tout. Et c'est d'autres gens qui élèvent et qui vendent. Nous, on fait tout nous-mêmes. Et parfois, c'est difficile et c'est fatigant. Vous, avec de l'argent, la vie doit être plus facile. Vous avez plus de possibilités. Ça doit être bien. C'est sûr que moi, je fais partie des gens qui ont de la chance. C'est certain. Après, à part gagner de l'argent, on n'a pas d'autonomie. C'est-à-dire que je ne sais pas cultiver, je ne sais pas planter, j'ai pas de terre. Je ne pourrais pas me débrouiller. Mais si tu ne sais pas faire, ta famille et tes amis peuvent t'aider. Tu sais, il y a un truc en ville qui est terrible et que je ne ressens pas du tout ici. C'est la solitude. Très peu de gens s'entraident. Mais si vous vivez isolé en ville, comment tu as rencontré ta femme? On s'est rencontrés chez des amis et on est tombés amoureux. Tu me fais rire. C'est marrant comme rencontre. Installer tout ça, ça doit être un casse-tête pas possible de tirer. Vous allez dire un casse-tête chinois? Ah, j'avais pas pensé, non, ouais. Non, c'est vrai, ouais. Casse-tête miao. Installer. C'est toi qui as installé chacun des fils qu'il y a là? Oui, c'est moi qui les ai tous installés. J'essaie de faire de belles broderies. Le travail de fou que c'est, ça. On est très impressionnés. C'est pour ce dessin, tu vois? Porter ces vêtements, ça fait partie de nos coutumes. Les hommes, eux, ne portent plus beaucoup leurs habits traditionnels parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez chauds. Les vêtements modernes sont plus pratiques pour travailler, mais ils sont très chers. J'aimerais bien pouvoir m'en acheter un jour. Mais si je suis la seule femme à en porter, on va dire que je suis bizarre. Vous savez, demain, notre mère arrive au village. Elle vient nous voir, ma sœur et moi. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et donc, toi et ta sœur, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue? Ça fait plus d'un an. Là, elle vient nous aider pour les récoltes. Mais sinon, on ne se voit pas beaucoup parce qu'elle habite loin. On ne vit plus dans le même village depuis longtemps, depuis que mon père est mort.
À l'époque, il est tombé malade et on n'avait pas assez d'argent pour payer ses soins. On était petite et ma mère ne pouvait pas rester seule. Elle avait besoin d'aide pour travailler dans les rizières. Alors elle s'est remariée et elle a dû partir sans nous. Et... Ah oui. Et que vous aviez quel âge? J'avais 15 ans. Pou en avait 13. Et notre petite sœur avait 10 ans. Maman est partie avec la petite dernière. Elle était trop jeune pour être séparée d'elle. Vous viviez où alors quand votre maman est partie? On est allé chez notre oncle. C'est lui qui s'est occupé de nous. Il nous a élevés pendant des années. On était très malheureuses. Mais on était trop jeunes. Et on ne pouvait rien y faire. Au bout de 5 ans, j'ai revu ma mère. Elle m'a expliqué qu'elle avait dû se remarier pour avoir un fils qui pourrait l'aider quand elle serait vieille. Parce que nous, en tant que filles, une fois mariées, on ne pourrait pas s'occuper d'elle. Moi aussi, j'ai vécu un peu la même chose. En fait, ça arrivait souvent avant. Mon père est mort quand j'étais toute petite. Ma mère s'est remariée parce qu'elle avait besoin d'avoir un fils. Elle est partie sans moi. Elle me manquait beaucoup. Et comme le village de son nouveau mari n'était pas trop loin, j'allais la voir à chaque fois que je pensais à elle. Le problème, c'est que je devais passer par la forêt pour aller la voir. Pour me faire peur, on me racontait qu'il y avait des tigres. Mais je voulais tellement revoir ma maman que je trouvais le courage de traverser. C'est-à-dire qu'on te disait qu'il y avait des tigres, et malgré ça, malgré la peur des tigres, tu traversais la forêt toute seule, petite à 6-7 ans, c'est ça? Oui, et il y avait aussi des arbres gigantesques qui cachaient la lumière. Je courais le plus vite possible. J'avais peur. C'était une petite fille très très courageuse. Oui, c'était très effrayant, mais j'y allais quand même. On imagine la peine et la souffrance, et pour vous, et pour vos mères. Parce que j'imagine que tout ça devait être très difficile aussi pour les mamans. Ça arrive souvent ici. C'est la tradition, c'est comme ça. Mais pour nous, c'est déjà loin. Tu sais, c'est du passé maintenant. On a fondé nos propres familles ici. On est heureuses aujourd'hui. On est bien. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Derrière leur sourire, nos hôtes cachent des blessures, mais aussi un courage qui force l'admiration. Ils puisent leur force dans les épreuves qu'ils ont traversées et dans cette capacité extraordinaire à vivre en quasi-autarcie. Ce matin, nous partons pour une expédition dont New s'amuse à nouveau à nous cacher l'objectif. Il dit aimer nous surprendre et aujourd'hui, il ne croit pas si bien dire. Que ça va m'aider. Regarde. Mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est ça qu'on pêche. D'accord. C'est une sorte de mille-pattes aquatiques. Ça se mange? Oui. D'accord, ok. Donc c'est ça qu'on cherche. Ah non, c'est ce qu'on cherche. Oui, mais alors, Lyon, mais déjà, quand il le tient, je le vois pas. J'ai pas mes lunettes. Je te jure. Montre-moi. C'est pas bon, ça. C'est pas bien, ça. Trouver des trucs, un peu? Un petit peu, mais alors, vraiment, je vais te dire, il n'y a pas de quoi. On va pas manger toute l'année. Hein. Si déjà, on fait un apéro...
Tu dois vérifier ce qu'il y a dans ton panier. Regarde. Y a rien. Encore un. J'avais même pas pêché un livre. La honte. Matin. Comment ça se fait que tu n'as rien? C'est pas possible. On pêche tout l'après-midi et toi tu n'attrapes rien. Moi j'ai rien pêché. Non, tu n'as rien pris. T'es pas très doué. Pouf. Dis-lui que j'ai pêché. Mais non! On est là depuis longtemps et tu n'as toujours rien dans ton panier. J'ai pêché, j'en ai pêché plein. C'est Fred qui a rien pêché. Si tu trouves rien, comment on fait? Tu te rends compte? On n'aura rien à manger ce soir. J'en ai pêché un peu. Montre-moi ton petit panier. Il est vide, complètement vide. Reviens me chercher demain. Et tu verras que j'aurai quelque chose demain, si tu ne me crois pas. En fait, moi j'ai une meilleure idée. Tu vas te baigner, comme ça on aura un gros poisson à pêcher. Et on aura de quoi manger ce soir. Toi tu rigoles, mais c'est pas mieux. Toi aussi tu vas t'engueuler. Dépêche-toi. Va te baigner toi aussi. Voilà. Comme ça, on aura deux gros poissons. Allez, dans l'eau. C'est comme des blattes un peu, non? Faut que je me dise que c'est des crevettes. Faut que je me fasse croire que c'est des crevettes. Je suis un peu curieux, en vrai. C'est vrai? On enlève l'idée, là, que ça grouille et qu'on se dit, bon, ouais, c'est pas... On n'a pas l'habitude, donc c'est pas... Mais ça se trouve, c'est pas mauvais. Miu. En direct, t'as jamais mangé d'insectes. Tu vas goûter, quand même. Si je suis honnête avec toi, ça me fait pas super envie. Pourquoi? Ça te fait peur? J'ai peur, mais tu n'y es pour rien. Mais il faut pas. Ils sont cuits. Donc ils sont morts. C'est prêt, à table. Avec du piment? On va goûter notre premier... Et c'est quoi le nom? C'est, comment ça s'appelle déjà, celui-là? Keko. C'est pas mauvais? Keko, c'est bon? T'as goûté? J'y vais. Ouais. Et tu vas voir, c'est pas un mince. Oh, ouais. Tiens, Fred, je te donne un petit poisson si tu veux pas manger d'insectes. Poisson, merci. Mais tu sais quoi, New, je crois que c'est dans ma tête parce que tu m'aurais servi ça, j'aurais mangé, j'aurais dit, oh, super. C'est parce qu'en fait, je les ai vus vivants que ça me fait bizarre. Je suis content que vous ayez essayé. Nous, on en mange souvent. C'est très bon pour la santé. Oh, il est vivant. Il est vivant. Tu sais, là, ils sont cuits. Mais tu vas voir, ils redeviendront peut-être vivants dans tes cauchemars pendant la nuit. Ça fait plusieurs jours qu'on est ensemble. Mais... on ne sait toujours pas quel est ton métier. Tu ne nous as pas vraiment expliqué. Compliqué d'expliquer que c'est un métier, quoi.
Ouais, c'est vrai, ça. Moi non plus, je sais pas ce que tu fais dans la vie. Tu vois les films à la télé, il y a des gens... Tu sais pas expliquer ton métier, c'est bizarre. Par exemple, si tu étais porteur, tu pourrais nous dire combien de kilos tu peux porter. Ça, c'est simple comme explication, tu vois. Essaie de nous expliquer comme ça. Je suis d'accord avec toi. Si je pouvais expliquer combien de kilos je peux porter, si je peux fabriquer une maison, si je peux planter quelque chose, tout ce que je fais, en fait, ici, ne sert à rien. Je ne sers à rien. Mais c'est un endroit où... Voilà, je n'ai pas un métier utile, j'ai un métier qui ne sert à rien ici. Mais non, ça n'existe pas, un métier qui sert à rien, c'est pas possible. Si on veut parler de l'utilité de distraire, les films servent à quelque chose, mais c'est très compliqué de parler de ça ici, parce que je trouve que c'est décalé. Je me sens... je distrais les gens. J'essaye de les faire réfléchir, mais c'est tout petit. Mais il faut pas dire ça, c'est pas petit. C'est important de distraire les gens et de les faire réfléchir. Déjà temps pour les enfants de reprendre le chemin de l'école. Ce soir, ils dormiront à l'internat, loin de leur maison et de leur famille. Mais avant ça, il leur faut à nouveau marcher plusieurs heures, traverser des rizières et la forêt. Un trajet long et une séparation souvent difficile. Mais pour tous les parents du village, l'éducation est une priorité absolue pour laquelle ils sont prêts à de nombreux sacrifices. On a vu les enfants partir à l'école et je me posais la question, pour nous c'est étonnant de penser qu'ils partent comme ça, qu'ils vont faire 3 heures de marche. Dans nos pays on a peur quoi, avec les enfants on les laisse pas tout seuls, on est très très angoissés. Et là de les voir partir comme ça sur ce petit chemin pendant 3 heures. Nous aussi on est inquiets, ils sont encore petits et le trajet est long et dangereux. Mais on n'a pas le choix, il faut absolument qu'ils aillent à l'école. Quand on ne sait pas lire et écrire, la vie est très compliquée. Comment vous trouvez de l'argent pour payer les études des enfants ? On élève des poules et des canards pour les vendre au marché. C'est déjà une petite source de revenus. Mais ça ne suffit pas. Alors, de temps en temps, on doit partir en ville pour chercher du travail. On l'a déjà fait plusieurs fois. En fait, si j'ai bien compris, tu n'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'il fallait de toute façon que vous alliez travailler en ville pour pouvoir payer l'école des enfants, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais la première fois, je ne connaissais personne en ville. J'ai suivi des gens de ma famille qui partaient travailler dans une usine de briques. Avec ma femme, on a quitté notre village pour aller avec eux. Dans cette usine, on devait porter les briques et les charger dans les camions. On travaillait en plein soleil, toute la journée. C'était très dur. Quand vous travailliez dans cette usine, vous viviez où ? On dormait tous sur place. Le patron de l'usine avait aménagé une sorte de dortoir. Il avait construit plein de petites chambres séparées par des cloisons. Et on se partageait une chambre à 4. On est resté là-bas pendant environ 1 an. Le problème aussi, c'est qu'on ne parle pas chinois. Donc on ne pouvait pas lire les panneaux. On était complètement perdus. En plus, en ville, il y a des voitures partout et des grandes rues pleines de monde. On ne comprenait rien à ce qu'on voyait. C'est comme vous, vous devez être perdu ici. Nous, ça fait exactement, je pense, la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué aux voitures, au bruit, que d'arriver dans un endroit au milieu de la montagne où c'est paisible et c'est perturbant. Pareil, comme vous, je pense, dans l'autre sens. C'est sûr qu'ici, tout est nouveau pour vous. Vous voyez le bon côté de la campagne parce que vous vivez tout le temps en ville. C'est normal. Cette vie vous fait rêver, mais c'est parce qu'elle est très différente de la vôtre. T'as raison, c'est sûr que
Il y a ce côté pour nous un peu fascinant, à se dire « Oh là là, c'est beau, les gens sont... Vous êtes formidables, vous nous accueillez de manière extraordinaire. » Mais quand même, il y a quelque chose d'essentiel que nous, on a perdu en ville, vraiment. Moi, j'aime ma vie au village. Je cultive mes terres et je vis avec ma famille. Mais bientôt, je vais peut-être devoir retourner en ville pour travailler. J'ai emprunté de l'argent à mes proches pour payer les travaux de la maison. Elle était en très mauvais état. Ça coûtait trop cher pour moi. Et aujourd'hui, il faut que je travaille pour payer mes dettes. Mais si je repars en ville, je vais encore laisser ma famille. Et mes parents sont vieux, ils ont besoin de moi. Si je reste au village, j'ai peur de ne jamais pouvoir rembourser mes dettes. C'est difficile. C'est un vrai déchirement. Depuis quelques heures, il y a comme de l'électricité dans l'air. L'orage qui gronde au loin n'y est pour rien. C'est un mélange d'attente et d'excitation qui anime le village alors que des invités importants doivent bientôt arriver. Et la pluie, qui ruisselle de toutes parts, semble exacerber cette nervosité. Je suis impatiente de retrouver ma mère et ma sœur. J'ai hâte de les voir. Ça fait longtemps. Mais comme il pleut, je suis inquiète. Le chemin est glissant. Je me demande comment, quand ils se retrouvent, comment les retrouvailles vont se faire. Est-ce qu'ils se touchent? Est-ce que... Je sais pas, est-ce qu'elles vont se prendre dans les bras? Est-ce que, au contraire, c'est très... Je sais pas comment... Ouais. Je vous présente nos invités. Ils viennent de France. Ils ont pris l'avion et ils ont beaucoup marché pour venir nous voir. Voici ma mère. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Vous vous ressemblez, c'est incroyable. Et là, c'est ma petite sœur. Avec son bébé. Et le petit, comment il s'appelle? Elle s'appelle Amaï. 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 C'est la barbe qui va lui faire peur, la barbe. Combien de temps de voyage vous avez eu pour arriver ici? On a marché une journée pour venir. Un jour entier. Un jour. J'étais déjà contente de vous avoir à la maison. Et aujourd'hui, toute la famille est réunie, alors je suis vraiment heureuse. Je n'oublierai jamais ce jour. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui... Elle est très heureuse, très heureuse. Moi aussi, je suis heureuse. Je n'ai pas souvent mes trois filles avec moi. Quand leur père est mort, je me suis retrouvée seule, sans personne pour m'aider dans les champs.
Il fallait que je me remarie. Je n'avais pas le choix. Je savais que je ne pourrais pas emmener mes petites filles. Pourquoi vous n'avez pas pu les amener avec vous? C'est leur oncle qui ne voulait pas que je les emmène avec moi. Il a seulement accepté que je prenne la dernière parce qu'elle était très jeune. C'est l'oncle qui a plus de pouvoir de décision que vous, alors que vous êtes la maman. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est la tradition. C'est comme ça que ça se passe quand on se remarie. Souvent, il n'y a pas de place dans la nouvelle famille pour les enfants du premier mariage. Dans ma nouvelle maison, à chaque fois que je voyais d'autres enfants, je pensais à mes filles que j'avais laissées. Je me cachais pour pleurer toute seule, c'était horrible. Et cette tradition, où la maman est obligée de laisser ses filles derrière elle, ça génère beaucoup de souffrance. Est-ce que c'est une tradition qui existe encore aujourd'hui? Oui, ça existe encore. Si le mari meurt, son frère va toujours empêcher la maman de partir avec ses enfants. C'est pas là, mais en revanche, le sentiment que ça m'a donné, c'est que elles sont pas d'accord avec ça quand même. Il y a une pudeur dans la manière de parler. Je pense aussi vis-à-vis de la tradition et des hommes et de comment s'organiser. Enfin, tu sens bien que c'est pas quelque chose qu'elles ont kiffé, que c'est pas quelque chose qu'elles ont envie de reproduire. C'est une souffrance infligée qu'elles sont obligées d'accepter. Et qui est censé avoir un sens, puisque c'est la survie de la femme, puisqu'elle est obligée d'avoir un homme dans sa vie ou un garçon pour s'occuper d'elle plus tard. Et c'est ça le paradoxe un peu, c'est qu'elles font tout, elles portent le riz, elles coupent, elles plantent, elles prennent les herbes, ils ont la tchatche, elles parlent, si ce n'est plus que les gars. Enfin, il y a un côté. C'est pour ça que je me dis en quoi elles ne pourraient pas, elles, assumer le travail. C'est un sujet douloureux. Elle dit c'est du passé, on sent que dès qu'elle se met à en parler, encore aujourd'hui. Alors, c'est de la pudeur, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Elle a dit, hein, on est dans le présent. Ouais, et puis on sourit. Quand on a dit, vous êtes belles, parce qu'elles sont magnifiques, toutes les quatre, quand tu les vois alignées comme ça, tu fais... Pff. Et elle dit, oui, c'est le sourire. Tu dis, ouais. Pas dire le contraire. Hein. Tu sais, je suis content que toute la famille soit venue nous aider pour la récolte du riz. Même si aujourd'hui, on ne peut pas moissonner à cause de la pluie. Mais tu crois que la récolte aura lieu avant qu'on parte? J'espère. Mais ça va dépendre du ciel. Si le soleil revient, on pourra moissonner ensemble. Demain, peut-être. C'est ça, on ne peut pas le faire sous la pluie. Non. Parce que si on récolte des grains humides, ils vont germer ou pourrir. Est-ce que la pluie peut compromettre la récolte ou est-ce que ça ne fait que la retarder? Si la pluie ne s'arrête pas, on peut perdre une grande partie de la récolte. Et ça, ce serait vraiment terrible. C'est le résultat d'un an de travail. Je suis très inquiet parce que si on perd trop de riz, on n'aura pas assez à manger cette année. Mais de toute façon, on ne peut pas changer le temps. On ne peut rien y faire. Si on croyait en un dieu ou une sorte de force supérieure, peut-être qu'on prierait. Mais nous, on n'est pas croyants. On ne compte que sur nous. Bah, vous croyez en vous, déjà, c'est pas mal. Oui, ici, on ne compte que sur nos bras. Même si on n'a pas encore pu moissonner, il faut trinquer pour fêter nos retrouvailles. Chez nous, quand on trinque, on met son bol en dessous de celui de l'autre personne pour montrer notre respect. Donc le jeu, c'est trinquer en dessous. Voilà. D'accord. Pour dire que je dois respecter.
Frédéric. T'es bien dormi? Pas mal, jusqu'à 4h30. Vous êtes habitué au bruit de la basse-cour? Ouais, enfin disons que... Le coq, il a commencé à 3h30. Non, mais je pense qu'il a pas vraiment d'heure, en fait. C'est une légende, le coq qui réveille le matin au lever du jour? Là, ce qui est clair, c'est que c'est un coq qui se réveille, il doit s'endormir toutes les 10 minutes, donc il pense que c'est le réveil... Enfin, parce que la journée, il fait pareil, en fait. Là, ce qui est super cool, c'est que ça a l'air vachement dégagé par rapport aux autres journées. Vous dites que ça va se dégager. Ouais. C'est là qu'on voit que vous êtes un optimiste. Ben, il faisait super beau tout à l'heure. Et je me suis dit, ah, super. Alors, en plus, ce que nous disait New par rapport au riz, on était inquiet, quoi. Mais pour la moisson, il faut que ce soit sec, c'est ça. Mais oui. Ouais, mais du coup, il fait toujours un peu genre tout va bien. Et puis, je le vois un peu inquiet. Bon, tu vois ça, j'ai un petit espoir de me dire, tiens, il. Vous portez ça? C'est lourd, non? Comment ça pèse, ça? Ça a l'air énorme. Viens essayer. Je vais t'aider. Redresse-le pour bien répartir le poids. D'accord. Ça doit faire au moins 30 kilos, ça. Hein? Tu massages des épaules. Oui, ça va bien en profondeur. Bien broyé, difficile. Ne tombez pas, hein. C'est bien que vous soyez là pour nous aider à commencer les moissons. Ça nous fait plaisir. Une personne toute seule mettrait une dizaine de jours. Tous ensemble, on va gagner beaucoup de temps et d'énergie. Allez, au travail. La moisson du riz est une période cruciale pour les miaos. En quelques jours, ils vont récolter la nourriture de toute une année. Profitant de l'accalmie météo, tout le village se mobilise, il faut faire vite. Hommes et femmes se répartissent les tâches dans un rituel immuable, l'organisation est précise et les gestes, tant de fois répétés, sont millimétrés. Allez, tu es grand et costaud. Il faut taper plus fort, de toutes tes forces. Voilà, c'est mieux. Maintenant, il faut déplacer la caisse. Je te garantis pas d'y arriver. Attends, Fred. Quand il n'y a plus de grains de riz d'un côté, tu tournes. Voilà, et tu recommences à taper. Compliqué. Ah oui, on inverse. D'accord. Le geste, il est super précis. Voilà. Il faut que toutes les brindilles s'envolent. Laisse bien glisser le riz entre tes doigts, mais fais attention. Il ne faut pas en faire tomber à côté. Chaque grain compte. J'ai de l'or. Je pense que la récolte va être bonne. Et le riz est de bonne qualité. Est-ce que le riz que vous récoltez, c'est le même riz que celui de tes parents? Non, moi je cultive du riz hybride. Mes parents, eux, ils plantaient du riz traditionnel. Mais les récoltes n'étaient pas toujours bonnes. Le riz est différent, mais c'est toujours la même terre. Nos ancêtres la cultivaient déjà. Mon père la cultivait. Maintenant, c'est moi et je la transmettrai à mon fils. Oh,
Ce riz hybride est la fierté de l'agronomie chinoise. Il a été élaboré dans les années 70 et son inventeur est devenu un véritable héros national. Présumé moins fragile, ce riz nécessite pourtant l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques. Mais il permet surtout un très fort rendement. Un atout indispensable dans un pays où la population augmente, mais où les terres cultivables se font de plus en plus rares. J'espère que de temps en temps, juste une fois de temps en temps, quand vous mangerez, il y a peut-être un grain de riz qui viendra de nous. Et juste, on aura une pensée ensemble de se dire, ah, peut-être ce grain de riz, c'est eux qui nous ont aidés à le faire. Hein? Bien sûr qu'on y pensera. On pensera aussi à vous à chaque fois qu'on sera dans cette rizière. Aujourd'hui, vous nous avez vraiment bien aidés pour la moisson. Je peux vous dire qu'on vous regrettera quand vous serez partis. Beaucoup. Nous, les filles, on va pleurer en pensant à vous parce qu'on a le cœur tendre. Alors que vous, les hommes, vous ne pleurez jamais. Toi, tu leur as fait croire que tu n'avais jamais pleuré de ta vie parce que tu es un homme, c'est ça? Mais non, on pleure aussi. Mais on ne le dit pas. Moi, j'irai me cacher dans les rizières pour pleurer. On est d'accord. Ah oui, quand même, hein. C'est plus lourd que l'herbe, en fait. C'est lourd, mais c'est beau. Hein. Ah bah oui. On a la récompense. Magnifique. Je sais pas si je vais arriver jusqu'à la maison. Si, mais tranquille. Ah, mais tu sautilles en plus. Allez, courage. Eh bien. Allez. Eh bien. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû descendre. Là, je suis. Merci. Bon, maintenant, sans plaisanter, c'est super dur ou pas? Vous êtes là, tac, tac, tac. C'est lourd, ouais, c'est lourd. Ah, c'est la folie. Ouais. C'est normal que tu aies mal. C'est la première fois que tu fais ça. Je suis plus petit que toi, mais je suis plus solide parce que je suis entraîné. Ok. Il m'épate. Il m'épate, il est fort, hein? Moi aussi, il m'épate. Tu marches tellement vite que j'ai du mal à te suivre. En tout cas, merci beaucoup pour ton aide. Tu me présentes ta famille, on dort chez toi. Tu nous donnes à manger, c'est quand même la moindre des choses. Tu sais, Clovis, tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu veux. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Super gars. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Reste tant que tu veux. C'est adorable. Et est-ce que vous faites souvent des travaux dans les champs ensemble? Oui, les couples travaillent toujours ensemble. Et vous, vous êtes rencontrés comment? Tous les deux, avec vous? En fait, mes rizières sont juste en dessous des rizières de sa famille. On travaillait souvent dans les mêmes endroits. Et on passait du temps ensemble. Et puis voilà. Je t'ai dit, elle est jolie, elle est gentille. Vous avez quoi? Vous avez fait des blagues ensemble? Comment tu l'as draguée? Comment t'as fait? Je l'ai surtout trouvée travailleuse. Ça, c'est une qualité qui me plaît. Mais t'es jolie aussi. Oui, mais c'est pas le plus important. Et toi, comment tu l'as trouvé? Moi, il me plaisait bien. Là, vous êtes loin de chez vous, mais... Quand vous allez retrouver votre femme, est-ce qu'elle va vous serrer la main? On fait plus que se serrer la main. Mais vous faites quoi exactement? Ben, on se prend dans les bras, on s'embrasse, et après, je te laisse deviner. Qu'est-ce que tu préfères? Quand c'est elle qui vient t'embrasser ou quand c'est toi qui l'embrasse en premier? Mais j'aime bien, effectivement, elle me pose la question, j'aime bien, moi, la prendre dans les bras. Nous, c'est différent. On fait pas comme vous. Quand on retrouve sa femme, on lui dit tout simplement « Tu es rentré ?» et c'est tout. Nous, on est très timides. Et tu sais, si on se prend par la main, c'est déjà très bien. En tout cas, on ne va pas s'embrasser. Est-ce que chez les Miao, on peut dire à sa femme « je t'aime » ou est-ce qu'on ne le dit pas? Oui. Il n'y a pas de câlin, mais on peut se dire « je t'aime ». Oui,
Et chez nous, quand on se pose des questions, c'est une façon de montrer son attention à l'autre. Qui fabriquons l'alcool. L'alcool, et c'est très bête, mais dans l'idée qu'on s'en fait, j'imaginais que c'était les hommes qui distillaient. C'est stupide hein, de ma part, mais j'imaginais pas que c'était les femmes qui distillaient plus souvent que les hommes. Attention au feu. Toutes les familles fabriquent leur propre alcool avec le riz qu'elles ont récolté dans leur champ. D'accord. Maintenant, il faut attendre que ça chauffe. Ça prend à peu près 20 minutes pour que l'alcool s'écoule. Et après, on pourra goûter ensemble. C'est toi qui goûtes la première goutte. Et ce soir, tu dormiras bien. J'en suis sûr. Ça y est, c'est prêt. Merci pour ton aide. C'est super. Je sais que tu es impatient, mais bois pas trop vite, c'est très chaud. C'est pas vrai, goûte. Alors? Ça te plaît? Très bon, très bon. Cul sec, c'est la tradition ici. Quand le nouvel alcool sort, il faut boire le premier bol cul sec. Non, je te crois pas, je suis sûr que non. Toi? Non, on a une autre tradition. La personne qui fait l'alcool pour sa famille ne peut pas boire le jour même. Et moi, je vais pas fabriquer l'alcool. Si, mais toi, c'est pas pareil. Tu es l'invité, tu viens de loin. Cette tradition, elle est que pour nous. T'es une coquine. T'inquiète pas, je blague encore. J'aime bien te faire marcher. T'es marrant. Tu me fais rire. Tropicale, c'est la petite bruine parisienne, quoi. Parisienne, je sais pas, mais petite bruine bien glissante. Ce matin, malgré le mauvais temps, c'est un jour de fête pour les Miao. Nos hôtes souhaitent nous faire découvrir une de leurs traditions ancestrales. Un événement surprenant qui n'a lieu que deux fois dans l'année. Et un rendez-vous qu'ils ne rateraient sous aucun prétexte. Pour cela, nous devons nous rendre dans la petite ville de Jialang, à 3 heures de marche du village. Jour de fête oblige, Jialang est en effervescence. Toutes les communautés Miao des alentours se retrouvent en une sorte de marché improvisé. La ville ne voit que très rarement passer des voyageurs occidentaux et malgré l'agitation, notre présence détonne. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers ici, vous n'avez pas trop honte de nous? Oh non, pas du tout. On est même contents que vous soyez avec nous. Ça vous plaît ici? C'est beau, il y a plein de couleurs. Tu sais, pour nous, cette fête, c'est surtout un grand rassemblement. Les gens viennent de tous les villages de la région. On aime bien se retrouver ici.
Là, il n'a pas rigolé du tout. Hein. On a fait voler le gars et tout. Comment on sait qui gagne? Le gagnant, c'est celui qui fait fuir l'autre. Ces combats de buffles sont une tradition miao vieille de plus de 4 siècles. Symbole de force et compagnon du quotidien, le buffle est un animal respecté et en aucun cas il ne sera mis à mort. Ces combats seraient au contraire une façon de le célébrer et de mettre en valeur sa puissance. Ils sont courageux aussi les petits gars là, qui mettent le lasso à la patte. Ils se mettent à 20 pour le tirer. Bah oui. Je pense qu'il est très hargneux et que du coup il est... Comme il est parti, ça veut dire qu'il a perdu. Oui, c'est ça. Celui qui reste peut fêter sa victoire. Est-ce que les buffles se font mal? Est-ce qu'ils se blessent? Ou est-ce que c'est juste quand il y en a un qui abandonne et l'autre a gagné? Si jamais un des buffles est blessé, on arrête le combat. Mais ça n'arrive pas souvent. Et il gagne quoi? Un peu d'argent. Je suis fier de vous avoir fait découvrir nos combats de buffles. C'est une grande fête pour nous. Et c'était important de vous les montrer. C'est super sympa de nous avoir amené voir ça. Merci beaucoup. Je crois que je vous ai fait découvrir plein de nouveaux goûts. Je suis curieux. Est-ce que vous pourriez me faire goûter quelque chose de votre cuisine? Ce serait possible? C'est que moi, je suis vraiment pas bon cuisinier. Toi, t'es vraiment mille fois meilleur. Vous n'avez pas besoin de faire un plat très compliqué. Je ne suis pas difficile, vous savez. Est-ce que tu as des pommes de terre? Oui. Oui, on va te trouver ça. Voilà. C'est pas incroyablement bon, mais dans mon pays, beaucoup de gens adorent ça. On va essayer de faire des frites. D'accord, je ne connais pas. Je n'en ai jamais mangé. J'ai hâte de goûter. Très bien. En fait, je n'aime pas trop les pommes de terre. Mais si tu fais des frites, je les mangerai quand même. Ne t'inquiète pas. Ah bah génial. Pendant ces 2 semaines, on a essayé de t'aider comme on pouvait. Tu penses que qu'on était une bonne équipe? Oui. Vous m'avez bien aidé. On a fait plein de choses ensemble. Et puis en France, vous allez pouvoir montrer à vos amis ce que vous avez appris ici avec nous. Moi, je crois que sans toi, on s'en sortirait pas. Ne crois pas ça. Vous apprenez très vite et vous vous en sortez vraiment bien. Chaque fois que je passerai dans les rizières et que je verrai vos empreintes, je penserai à vous. Vous allez beaucoup nous manquer. Moi aussi, vous allez nous manquer. Ton visage, tes yeux, on s'est beaucoup regardé, on se regarde beaucoup quand même. Et il y a quelque chose, c'est une image qui reste, qui sera gravée. En attendant, on a des frites à faire. Ouais, on a des frites à faire avant. C'est bon. C'est vraiment bon. On va mettre beaucoup d'huile. Tu viens goûter le coup? C'est très très bon. Bravo. Il faut faire le feu plus fort et je vais mettre plus d'huile et on va en mettre plusieurs. D'accord ? On y
Les frites, j'adore ça. Super. On est soulagés, on avait peur de rater. Bah oui. Moi, j'étais sûre que vous alliez réussir. Après ce dernier repas, l'heure sera venue de dire au revoir à ces familles. Grâce à leur humour, mais aussi à leur incroyable douceur, les Miao nous ont fait presque oublier que nous étions à l'autre bout du monde. Nous avons partagé et échangé sans préjugés et sans peur de l'autre. Et en ces derniers instants, nous sommes comme en apesanteur, portés par un sentiment flottant entre la joie et la tristesse. Sans doute le paradoxe de cette rencontre profonde et éphémère. Ces visages encore inconnus il y a deux semaines viendront longtemps habiter nos mémoires. Et voilà, c'est notre dernier repas ensemble. Il faut qu'on en profite parce qu'après vous allez repartir chez vous, en France. C'est fou comme on n'a jamais été aussi peu bavard. Pour célébrer votre départ, chaque personne va trinquer avec vous. Ah, ce ne sera pas possible. Et nous, on a un chemin à faire que vous, vous connaissez par cœur. Mais nous, on risque de se viander et de terminer au fond du ravin si on est torché. Tant mieux, c'est parfait. Comme ça, vous serez obligés de revenir au village. Et si on va faire comme ça? Je vais dire, écoutez, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt. J'y ai cru. Ça, c'est son métier. C'est drôle, ton métier. Maintenant, j'ai compris. Tu m'as fait rire. Alors, on va tous boire, tous en même temps, un bol. En l'honneur du village et pour votre accueil. Debout, on va créer un nouveau truc. Au village. Au village. À vous tous. Merci beaucoup. En fait, c'est difficile de parler quand t'as la gorge serrée. On n'est pas de la même culture, on n'a pas les mêmes repères, on ne parle pas la même langue. J'ai la naïveté de penser que... qu'on s'est vu, quoi. C'est le sentiment que j'ai profondément avec ces personnes. Voilà, au fin fond de la Chine, dans une culture que je n'aurais jamais croisée, les Miao, les machins, il n'y a aucune raison, tu vois. Aucune. Et puis, il y a un moment où tu es en contact. Et ce temps passé ensemble, tu te vois. Je crois que je les ai vus. Alors, j'ai eu la chance dans ma vie de voyager beaucoup. Donc, là, je pouvais avoir une petite angoisse en me disant est-ce que réellement. On peut vivre quelque chose alors que c'est filmé, quoi. J'étais très sceptique, en vrai, quoi. Et je me dis, quand on prend le temps de s'immerger, c'est les gens qui comptent, pas tellement les caméras, donc on s'en fout, quoi. Qu'est-ce qui vous touche chez chacun d'entre eux? Miu, Bao et Pou. Chez Miu, par exemple. J'ai le sentiment qu'il est très conscient de où il est, ce qu'il fait et la trajectoire, quoi. Il voit très bien qu'il y a plein de choses qui l'attirent, qui sont
et qu'il n'aura pas, qu'il ne fera pas. Et voilà, c'est pas pour lui, quoi, c'est pour ses enfants, quoi, ça sera pour après. Pousse quelqu'un de beaucoup plus mystérieux pour moi. Elle se cache derrière ce soleil, tu vois, ce sourire hallucinant. Ils sont tous quand même très très beaux, ça c'est indéniable. Je pense qu'elle est très costaud, Pou. Très très. Et très balèze. Et Hao, elle a un truc que j'adore, quoi. Et c'est quelqu'un qui, dans sa manière d'être, est d'une fragilité absolue. Elle est. Alors évidemment, comme tous les gens fragiles, voilà, elle gueule, elle fait du vent, du bruit et tout, mais. C'est une femme qui est bouleversante. Puis qu'est-ce qu'elle est drôle, donc. Et nous qui sommes dans des villes, dans des grandes villes souvent, qu'est-ce qu'on peut apprendre des gens qui sont dans des zones rurales, dans des communautés très petites comme ça? Cette notion d'être ensemble dans un village, la nécessité d'entraide, d'être ensemble, mais concrètement, je veux dire, tu peux pas être au milieu du village et crever de faim, c'est pas possible. Tu crèves de faim ensemble et tu manges ensemble. Quand je les vois tous aller, on est tous allés dans le même champ pour récolter, pour se filer la main les uns les autres, machin. Bah, qui dans nos sociétés ça ne fait pas fantasmer cette notion d'entraide, voilà, d'être ensemble, qui peut donner envie à beaucoup d'entre nous. On va leur dire au revoir. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah putain. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. J'adore comment tu t'occupes de ta femme, de tes enfants et de tes parents. Oui. Moi, chaque fois que je verrai les endroits où vous êtes passés, je penserai à vous. Vous serez toujours les bienvenus. Au début, tu disais que tu étais plus petit que moi, mais sache que tu es un grand homme. Justement, j'y pensais à une chose. Quand vous montrerez le film en France, vous pourriez m'agrandir un peu sur les images? On pensera toujours à vous et aux jours qu'on a passés ensemble. Bah, nous aussi, je te jure qu'on va y penser beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Je peux te dire au revoir comme on fait chez moi? Je suis timide. Regarde. Bouge pas. Tac. Tchè. Merci pour tout. Je peux pas trouver les mots. J'avais tellement de choses à te dire encore, si tu savais. Mais là, j'arrive pas à trouver les mots. Rassure-toi, moi non plus. C'est trop dur de parler. Je suis émue. Je peux plus rire, là. Maintenant, quand je passerai dans la pièce où vous avez dormi, je reverrai toujours ta tête le matin, au réveil. On se sentit bien chez vous. Et t'as le plus beau sourire du monde. Oh. Merci pour tout. Non, merci à toi. Maintenant, je pleure. Bon, moi, je voulais te dire que... Merci de nous avoir partagé ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Et tu peux être très fier de ce que tu es devenu. Vous allez partir et vous nous oublierez. C'est sûr, c'est normal. On t'oubliera jamais. Je sais que tu en doutes, mais on t'oubliera jamais.
Moi non plus, je vous oublierai pas. On pensera toujours à vous. On a habité dans la même maison. On a travaillé et mangé ensemble. Vous resterez toujours avec nous, dans nos cœurs. Mon ami. Mon ami. Je sais que vous allez reprendre votre vie en France. Mais essayez de penser à nous de temps en temps. Ça marche. Qu'est-ce que t'es grand? T'es tellement plus grand que moi. J'aimerais bien être comme toi, moi aussi. Oui, il suffit de ça, regarde. Là, t'es plus grand. Ce serait formidable d'être aussi grand que ça. J'étais super heureux de te rencontrer, je te jure. Moi aussi. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci. 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 Et j'espère que la récolte sera bonne, hein, les gars. Hein, pour tous. Merci.